Et il y a plein, bienvenue sur stream. Alors, au programme ce soir, découverte de Ragnar. Alors, quand je dis découverte, c'est pas totalement vrai dans le sens où j'ai déjà streamé le jeu il y a très longtemps. Ça fait longtemps que je le suis maintenant. C'est développé par Cyril, qui a développé ça en solo. Enfin, pour tout ce qui est graphique, il se fait aider, hein, heureusement pour lui. Pareil, tout ce qui est sonore également. Mais sinon, le concept original, c'est lui. Donc, on va jouer en un, en fait, c'est un jeu de plateforme. On va jouer en un qui s'éclaire avec des bougies. Il va falloir traverser ce niveau rempli de pièges. Voilà. Allez, et bah du coup j'ai hâte de voir Skeleton 7 1.0 qui sort demain. Donc j'ai une version un petit peu en avance. Ah bah voilà, et bah salut Cyril. Hop. Tac tac tac. Et bah les go. On dira si au niveau du son c'est bon ou pas. Non, c'est que j'ai pas trop peur. Les filons sont épuisés, le boyau est tourné canard. Les bruits de la zèque évoquent avec jalousie les richesses du donjon français, la tour Bilibide. Ragnar, en filant sa chope, refuse de suivre ses frères et part seul se remplir les poches avec son sac et ses bougies. Bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des nains sur le stream. Au moins depuis hier soir. Hey, ouvrez-moi ! J'ai vu ta lumière. Par le sang des montagnes, je vais défoncer la porte. Ouais, quel monde ? Yo ! Y'a quelqu'un ? Alors, ouais, ça me semblait, ouais. Merci. Option. C'est bien s'il me semblait. Ouais, ça devrait être mieux. Alors, t'as là, sauter avec un. Ouais, c'est doublé. Il me faut une clé. Ce chandelier fait office d'hôtel dans certains cultes. J'ai lu qu'on pouvait remonter le temps jusqu'au moment où on allume une de ces bougies. Ah, si ça marche, ça pourrait m'éviter de sacrés pépins. Comme le décès, par exemple. Alors, il y a Cyril qui est sur le stream, hein, si les questions à lui poser, hein, n'hésite pas. Ouais, donc là, évidemment, c'est un... Hop. J'ai avec Y. Ah, tiens, c'est marrant, les succès, ils s'affichent en haut à droite. Il y a trois branches, donc trois sauvegardes possibles par hôtel. Attention à les utiliser avec parcimonie. Là, une... Pour l'instant, c'est bon. C'est mon niveau d'énigme. Lancer une bougie. Donc voilà. Donc là, hop, je peux lancer. Merde. Oh. Je suis stressé. Oh bah pourquoi? Magnifique! Avec ça, je peux voir des pièces cachées dans l'obscurité. Oh! Je suis riche! Enfin, une fois que je les aurai ramassées. Ah, il y a un timer en haut. Hobson léger! La plume me porte comme si j'ai toutes les pièces dans mes poches. Une lanterne! Je peux tout voir! Ah. Comme cette porte et cette clé! Nouveau sport, glissade de nain riche sur pièces d'or. Je suis mort sur le tuto, c'est quand même triste quoi. C'est demain la sortie, ouais, tout à fait. Ah, c'est jeudi? Je crois que c'était demain. T'es sûr que c'est jeudi?
Ok. Bon, allez, je vais faire comme si tu savais mieux que moi. Ouais, y'a quelqu'un? Pour un orc, même pas un gobelin. C'est que ça doit être drôlement dangereux par ici. Bon, du coup, Cyril, au final, combien d'années de développement alors? Ça fait quand même super longtemps par rapport au proto que j'avais essayé. Je suis pas allé voir, je voulais pas me faire du mal. Je suis pas allé voir combien d'années ça remontait la première fois que j'ai testé le jeu. Presque 6 ans au final, quand même. Ah, c'est très probable 2017, ouais. En vrai, je pourrais retrouver rapidement, faire une recherche sur YouTube. En fait. Je le ferai peut-être tout à l'heure. C'est pas ok. C'est un bonus temporaire en fait. Oh! Bien. Bon, j'ai tout ramassé. Il y avait des pièces là-haut, non? Oh, j'ai tout... Non, j'ai pas tout pris là-haut. Prendre ce qui me manque là-haut. C'est une armure, hein. Non, je rigole. Déjà pour 2019, celle de Dev Solo avec un job à plein temps et des enfants, eh ben, c'est clair. Et là, pour la fin du Dev, t'étais passé à plein temps sur le jeu ou t'as toujours gardé ton boulot et... Le vieux à la taverne. Toujours gardé ton boulot à côté, d'accord. Y'a de l'or qui me dit, des tas de pièces d'or. Y'a qu'à se baisser pour le ramasser. Il a juste oublié un petit détail. C'est quoi tous ces pièges-là? En plus, on n'y voit pas grand-chose. Heureusement que j'ai mis bougie. C'est quoi cette langue? Ah non, non, c'est à l'envers. Alors, projet Renaissance, 3 étapes cruciales. 1. Réfection des pièges. 2. Trouver des... Bah, quelqu'un a mangé la suite. Bon, où est-ce qu'il est cet or? Si je prends les pièces qui traînent par ici, personne ne verra la différence. Merde, oula. C'est un peu triché, hein, la lanterne. J'avoue que ça fait du bien quand même. C'est triché, mais ça fait plaisir. Oh, tu as trouvé de quoi te faire beau, on dirait. Oh, je vais le ranger dans ton repère. Tu pourras l'essayer là-bas. La dans prochaine fois, j'aurai des choses à te vendre. Oh, les doigts dans le pied. Speedrun.
Une 12, 100. Ah oh, mince, j'ai failli avoir vraiment le speedrun en plus. 5. J'ai fait quasi tout seul sur le jeu, pas la musique, la voix, et quasi pas de pixel art. Ouais, j'ai vu, du coup, c'est cool pour le pixel art, en plus, t'es. On trouvait de bonnes personnes, quoi. J'ai vu, t'as Ikio, Nazifan. La nuit m'arrive de rêver. J'ai vu qu'il y avait, l'honneur qui a écrit oh, les textes. Bonheur d'avoir les mains libres. Mais les objectifs en début de jeu, j'ai même pas fait gaffe. Alors, on fait fortune ? Vieux marchand. Alors, il y a quoi ? Les bougies. Ce qui est où ? Une bougie pour éclairer ton chemin. T'as besoin de plus de bougies. Paul se ressemble ici, pas mal de bougies. Attends, il manque un petit A, ça a pas mal de bougies. Pour un petit prix. Cette soirée où j'ai trop loup, je vais dire les fautes. Besoin de mieux voir autour de toi, ce qui t'aurait une meilleure visibilité. Ouais. Ça me tente bien, parce que j'aime pas... Ouais. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'en vrai j'aime pas les jeux dans le noir. Oui, c'est cool là, le qui parle quand il a fini. Que tu vas en dire plus longtemps, tu auras plus de temps pour voir ce qui se cache dans l'obscurité. Ok, donc il y a plein de trucs pour améliorer. Améliorer les G, c'est quoi ça? Te rendre silencieux en éliminant les bruits de tes pas. Elle me demande pas en quoi, j'ai pas. On peut changer la taille. On peut changer la couleur de la barbe. C'est classe. Par mieux, tu n'auras pas réussi parce que. Ouais, je vais prendre ça hein, pour l'instant. Et du coup, là, actuellement, j'ai. Une bougie peut servir à éclairer, mais aussi à allumer un feu. Et si je lançais une bougie sur ce feu de camp? Ah oui, c'est le truc où. Ouais. Mais non! Oh, c'est arnaque, je savais pas que t'as tiré vers l'arrière. Ok, t'as tiré une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça va faire un niveau. Ça va s'étendre. Les barres, mais bien sûr. Évidemment que c'est important les barres. Trompé.
Ah, du coup, j'ai ma tombe qui fait qui éclaire en bas. Il manque des pièces là. Si les collègues me voyaient, ils seraient verts comme des gobelins. Vous avez qu'à tomber, tu sais, qui est dans cet endroit exactement. Une mort certaine, une faible chance de succès. Les niveaux, ils sont tout, ils l'ont tous fait à la main. Oui, de la génération procédurale. Je me rappelle plus ce qui a été décidé à la fin. Et donc, j'ai l'échappe à chaque début. J'ai ce qu'il te faut. Et même ah si, plus. Il est 150, en vrai, je peux encore augmenter. Tout niveau, faut en faire la main, d'accord. Il y en a combien de niveaux? Alors, tu me diras, c'est un peu logique qu'il soit fait à la main, vu qu'il y a un... Il y a moyen de speedrun, hop là. En plus ce tuto, d'accord. Bonjour, maître nain. Je pense que nous pouvons nous entraider. Prends cette potion, tu feras des bons prodigieux. Lorsque tu sautes, tu peux sauter cool. Deuxième fois avant d'avoir touché le sol. Oui, un double saut, c'est bien ça. Considère ça comme un échantillon gratuit. C'est quoi, c'est ça? Ce n'est comme une sauvegarde, le fait d'avoir récupéré le double saut. Ah non, pas du tout en fait, c'est ici que j'ai récupéré. Plein de pièces là. Ouais, le beau jeu. Ah, le beau jeu, et puis aussi le fait de. Si je vais pouvoir level up mon arme. De la thune en fait. Je crois que ça tue le Ça y est, il y a plus de pièces dans le coin. Oh.
Bah, du coup, je dois refaire. Bien. J'ai complètement oublié que les plateformes là, les plis qui se déployent au bout d'un. Certaines choses restent cachées jusqu'à leur découverte. Oh, c'est à la fois profond et logique. Ça veut dire qu'il y a un truc caché là. Ça veut dire qu'il faut que j'envoie une. Une bougie ou pas pour découvrir des trucs. Il manque une pièce. Oh, c'est le marchand qui va être content. Alors, les torches sont allumées, les pièges sont prêts et l'or est en place. Il ne manque plus que Rugnar. Ah, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu d'aventurier si talentueux. Les derniers avaient quitté la tour de manière prématurée. J'espère que mon petit cadeau lui sera utile. Je me demande comment il va se débrouiller. Ouais, mais du coup, le vieux est dans le doute. J'ai des choses qui pourraient lui servir. Avec tous ces exercices, je vais bientôt pouvoir me toucher les orteils sans plier les genoux. Dépêche-toi d'en profiter. Les bonnes affaires, c'est maintenant. Alors, du coup... il y a rien de... C'est quoi le machin? J'ai même pas fait gaffe. Vitre... Ah oui, c'est qu'il y a une carte. Ah non, peut-être pas encore. Oh. Et on fait ça. Il y avait des objets de custer à récupérer. Ah merde. Ah, c'est juste une égratignure. Ça fait
Oh mais non, c'est n'importe quoi. On a un indice en moins de... teinture grise. Ah. J'avoue, c'est quand même plutôt confort d'avoir... de voir comme ça. Une, deux, trois. Ah ouais, j'ai toutes les pièces. Et maintenant, une petite guerre. Ok. Et les niveaux, les trucs de custo, ils sont pas récapitulés à la fin du niveau. Je ne sais pas ce qui est pire, la lave ou l'eau. Pourquoi ne fait-on pas des bassins de bière? Des bassins de bière. J'ai lancé. Changer de. Mon ami, viens voir ce que j'ai ramassé ce matin. Alors, il a comme proposé. Plus longtemps, t'auras plus de temps pour voir ce que je me souhaitais. On les voit dans le repère, dans la liste des niveaux. Ok. Hey, c'est du coup il repère, je suis encore jamais là. Ouais. Peut-être que je joue quand même plus avec le fait de pouvoir jeter des. Pour l'instant, je me sers pas du tout du fait de pouvoir lancer les bougies. Ah merde. Oh.
Avec ça, je vais pouvoir me faire une piscine remplie de bière ou de sandou. Oui, là, je peux le repérer. Alors. Donc là, j'ai deux fioles. Ouais. Ah, j'en ai un seul. Ah, si, j'ai débloqué des verres, du coup. Ok. Des chiffres. Jour sans incident, zéro. Ah, c'est différent, ok. Ah, les objets à trouver, ils sont écrits en bas, ok. Ok, donc effectivement, les objets à trouver. En poursuivant ton aventure, tu découvriras un chemin vers le donjon aléatoire, mais chut, je t'ai rien dit, anonyme. Certaines choses restent cachées jusqu'à leur découverte. C'est à la fois profond et logique. C'est sympa la façon dont tu as affiché ça, c'est cool. Ah, je vais faire un petit somme. Cool le repère comme ça. Quand je serai riche, je mangerai du steak de broutard au baveux. Matin, midi, soir. Cascade de 2h et de 4h. Mais sans baveux. Ah, les baveux, c'est bien. Aujourd'hui, grande promo. Pour chaque produit acheté, tu ne payes que son prix. Ça, c'était promo, quoi. On paye que le prix des produits achetés, c'est quand même sympa. Ah mais non, c'est pour ici, là, il y a là-haut. Ah merde. Ah bah c'est arrêté. Oh, ça m'a coupé une moustache. Ah, il y a un... Ok. Incroyable, c'est comme Mario, on peut passer par au-dessus du décor. Ah, quoi? Ok.
Oh, il y avait un cave de l'autre côté. Ouais, retourne voir. J'ai pas vu les bières en haut qui. C'est cool l'interface en haut là. J'aime beaucoup là pour. Je veux dire, combien de temps t'as le roi encore? Ah, je l'ai senti passer! Souvent dans les jeux comme ça, quand t'as un timer, tu sais jamais trop où t'en es. Sans, mais... Oh. Ah merde. Ah, les deux têtes sont là-haut, mais tant pis. L'or, c'est bien moins lourd quand c'est le mien. C'est une partie difficile à étudier. Ah ouais, pour les timers, là, le fait. Mais franchement, c'est cool l'affichage avec la petite. Avec la petite mèche qui avance et les bières qui s'enlèvent au fur et à mesure. Hein. Ah, on est toujours mieux ici qu'à la mine. Aujourd'hui, grande promo. Pour chaque produit acheté, tu ne payes que son prix. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider. On n'est pas censé avoir une carte, alors on la récupère plus tard. Il m'est semblé tout à l'heure quand j'ai vérifié le binding des touches, il y avait les gâchettes pour avoir une carte. Je les débloque, d'accord, ok. Je suis sûr que t'es en train de pleurer parce que j'utilise pas du tout la mécanique de lancer les bougies. Je te disais, mais ça m'a peur de manquer ça. C'est comme dans les shmups, je bombe jamais parce que je sais pas, j'ai l'impression que. Qu'après je vais manquer quand j'en aurai besoin. J'ai pas perdu une dent. Ah non, ouf. Alors en vrai, je trouve le seul problème qu'il y a quand on meurt comme ça, on revient à notre point de passage, enfin au dernier point de passage, mais du coup, je trouve vu que le niveau est déjà un peu labyrinthique, je trouve que complètement perdu après. Honnêtement, là, quand je meurs comme ça et que je réapparais, j'ai aucune idée de où je suis déjà allé et où je suis pas encore allé. Aucune idée, peut-être pas habité non plus, mais donc je suis vraiment bien perdu. Ouais. C'est
Déjà, ça... Bah, évidemment, ça ressemble un peu, hein, tu... Au sein d'un même niveau, t'as du mal à voir un peu les différentes... différentes pièces, différentes sections, on va dire. Au Centaion. Pas du tout. C'est un nain aussi, il ramasse aussi de l'or. Voilà. Merde, il manque. Oh non, il manque une pièce. Ah, elle est là. Toutes les pièces, c'est moi. J'ai de l'or. Oui, exactement. Personne n'osera venir me le voler là. Que personne ne touche à ma barbe. Mon ami, viens voir ce que j'ai ramassé ce alors, matin. De quoi là? Bah, zone minus 2, ça me paraît pas mal. Hein. Pour l'instant, j'aime bien, sympa, mais j'ai déjà joué au proto, à une version. Ouh la vache. D'ailleurs, si t'as des questions sur le jeu, n'hésite pas, il y a Cyril, le dev, qui est dans le chat. Allez, pour le beau jeu, je vais envoyer un truc pour faire croire que j'utilise les mécaniques. Ah. Je suis là. Bon, c'est vrai que je pourrais... j'utilise souvent le lancer de bougies, vu que c'est en plus vrai. Le principe, c'est qu'on peut les ramasser, les bougies, quand on les a achetées. Parce que... Il a fait nos poux. Ah, te voilà. J'ai quelque chose pour toi. J'ai rencontré cette espèce de feu follet. Je l'ai appelé Floofy. Tu peux lui demander d'éclairer ton chemin. Mais il n'apparaîtra que si tu tombes à court de bougies. Il se fatigue vite quand il s'allume. Confie-moi tes bougies et essaye de lui indiquer comment ouvrir la prochaine porte. Utilise Floofy pour ouvrir la porte. Il y a un mécanisme quelque part. Ok. Ok. Alors, contrôle famille avec RB. Bravo! Voilà tes bougies! À plus tard! Et prends soin de Floofy! Ok, mec. Mais par contre, du coup, Floofy, ouais, il faut que... Bon, on va y aller Floofy, là. Ouais, c'est chiant, parce que du coup, il faut que je vire toutes mes... mes bougies. L'idée, c'est quoi? C'est... Je balance mes... Ok, c'était pas...
Ce n'est peut-être pas ce qu'on attendait de moi. Puis les pièces d'or, c'est un des objectifs. Bah, sachant que c'est un bon objectif, parce qu'avec les pièces d'or, après, tu peux améliorer... Tu peux améliorer les capacités de ton nain, quoi. Pas vraiment les capacités, mais c'est le fait que la bouche, elle éclaire plus. Alors... Ah, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Peu le temps. Donc quand tu meurs, tu réapparais au dernier chandelier que t'as creusé. Et donc le nain, en fait, donc t'as ton ta petite bougie sur la tête, tu peux jeter des bougies pour t'éclairer. Ah mais tiens, je... Ah cool. Et ça m'a mis en argent. Ah, c'est pas du tout par là. Voilà, j'aurais pu sauvegarder. Je l'ai pas fait. Je sens que dans très peu de temps, je vais le regretter. Je peux acheter pas dessus. Non, mais pas là. Ah, ou alors. Ouais, ça passe là. Ok, bon. Ah, mais du coup, si, il faut que j'envoie Fluffy. Haha, malin. Ah, oh, bah, de toute façon, je suis obligé en vrai. La barre la plus aérodynamique des souterrains. Voilà. Donc en gros, à chaque niveau, t'as plusieurs objectifs de temps, l'objectif de pièces d'or et l'objectif de pas mourir. Alors, ah, du coup, donc les cages, j'en ai toujours pas de nouveau. Ma couleur de barbe. Et j'ai une nouvelle armure. Yeah. C'était quoi ça? Donc ça c'est les différents trucs pour les tuer. Donc là c'est Grimoire que j'ai débloqué, hein, ce qui est mes améliorations pour les... Un vrai nain héros. Donc voilà tous les niveaux, donc t'as le tuto, et voilà, pour chaque niveau, donc t'as ça, t'as plusieurs objectifs de temps, l'objectif de 0 meurt, l'objectif 100% de pièces d'or, plus un objet à ramasser aussi. Voler aux riches pour donner à moi qui suis pauvre, c'est moral. On est mort. Attends, là, c'est récapitulé, donc il y a 3-20 pour le premier objectif score, 2-25 pour le vrai. Et d'ailleurs, il sort après demain. Et d'ailleurs, toi, ce truc... Ouais, on voit pas. En haut à droite, t'as le temps, et t'as la mèche qui va avancer au fur et à mesure. Et t'as des petites chopines... Évidemment, si tu as des pièces. Des petites chopines qui disent où t'en es...
par contre, le problème, c'est que j'ai plus trop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on peut pas le balancer, très rare. Ah, je me suis bien fait avoir. Y a un bug? Ah, mais attends, y'a Fluffy qui fait des trucs, là. Ok. Désolé, hein. Bon, en tout cas, c'est cool, c'est une petite salle... Ah, j'ai senti passer. Ah merde, du coup il faut que je retourne, non? Ah ouais. Pas cool là, parce que pour invoquer Fluffy là, il faut que... Du coup c'est presque bizarre que les... Que les bougies et le reste, mais pas le... pas les autres objets qu'on a échappés. En cas de mort. On peut grimper là-dessus. J'espère qu'il y aura un point de sauvegarde avant de revenir à cet endroit-là, parce que... ces esquives... Merci de condamner les fenêtres de mon bureau pour cause d'allergie, Bilibin. Bah, ah, par contre, tu vois, du coup, voilà. J'ai l'impression que les messages, il n'y a pas le... que le B s'affichait pas pour dire que je pouvais lire. Non. Yop, la petite dernière. Enfin, je t'ai attrapé. Oula. Je t'observe piller mon donjon depuis un bon moment. Il est temps pour moi de reprendre ce qui est mien. Rends l'argent, misérable, bout de poil. Ça doit, j'en chie pour... Il est réapparu. Ah mais d'accord, je peux le... Okay. Tu veux bien laisser ces fenêtres fermées? Merde, c'est pas le bon.
j'ai pas du tout recapté en vrai. Par le squelette de ma grand-mère. Oh, moi, mon or. Comment t'as pour le message, Akel? Ça commence à bien faire. Y'a pas pris là. Sur pièce d'or. J'ai pas fait attention. 5,26. Cool. Bah, tu le premier boss. Ah, te voilà, toi. Tu as vu. Ce nabo a raflé la moitié de mon trésor. Je t'avais dit que tu avais mis trop de pièces. Mais je pensais avoir mis assez de pièges. Il y en a toujours qui passent. Ah, ce Rugna, en l'occurrence, est d'une ténacité. Brocanteur. Tu notes du fantôme en bas, là, dans la petite parole. C'est de ta faute. Bon, j'ai été comment? La prochaine fois, essaye de faire plus de magie. Des flammes vertes, par exemple, ou des éclairs. Oh, c'est drôlement difficile. Mais comment on fait? Ah, quand le donjon sera ouvert, tu rencontreras des mages qui sauront faire la différence entre un Dradli et un vrai fantôme. Si tu veux, je connais un tour avec des cartes. Rugnar est parti pour rencontrer ton associé. J'espère qu'ensemble, nous parviendrons à rendre à la vallée son attrait d'antan. Voyons comment Rugnar va s'en tirer cette fois. Au fait, ton associé n'avait pas d'or. Il m'a dit que je pouvais prendre le tien. Quoi ? Oh, ce sac est si léger que je pourrais m'envoler. Il me faut plus de pièces pour le remplir. Quand il perd dans l'autre versus, ça fout la mal exactement. Je pense que pour les bougies, c'est un choix qui était fait de les conserver. D'accord. Okay. TP Menio, à cause de l'ambiance. Non, l'ambiance, ça m'allait très bien. Non, Nio, c'est vraiment le gameplay, en fait. Vraiment, le gameplay, un peu la Dark Souls, machin. En fait, c'est les beat'em up 3D, j'aime pas. Dès qu'il y a des combats 3D, j'aime jamais la caméra, les esquives, les trucs, ça me... Ça me gonfle, en fait. Viens découvrir mes dernières acquisitions. Alors, donc lui me vend toujours des... Il me vend des bougies, mais... Allez, on va acheter. Ça me fait penser à... Merde, comment s'appelle ce jeu avec un ninja? Elle se met pour un shinobi. Le stage sur les quais avec un... Une ninja en grenouille qui sortait. Il était cool, The Messenger. L'écriture était incroyable aussi, quoi. Pour cause d'impayé, plus de happy hour. Oh, la plus triste nouvelle de la journée. Et à la place de l'aubergiste, j'aurais fait pareil. À vendre. Mignonne et confortable, mais beaucoup trop grande. La marque de Ninja, c'est un des rares jeux de... infiltration que j'ai bien aimé.
J'ai fini les deux, après j'ai fini en... Ah mais d'accord, on peut passer par là pour aller... J'ai fini les deux mais en... à 100% quoi. Pour aller... Ah ah. Ouais. Ok. Ah non mais je suis bête en fait, il faut que je passe ça par là pour... Ça va pas être long... Ah oui, Hollow Knight c'est ultra long. Bah, The Messenger c'est quand même assez long hein, parce que... Voilà. T'as pas mal de trucs au niveau... Je peux passer par là. Ouais. Ce messenger c'est quoi? C'est une quinzaine d'heures peut-être? Non, je sais plus comment j'avais fait. Oh, ça sent l'or et les pierres précieuses par ici. Ah, les propriétaires sont peut-être partis en laissant un gros pactole. Et ouais, par contre, du coup, le net, ouais, il est super long, quoi. Le net, ça m'a fait halluciner parce que... C'est pour Hollow Knight, les 15 et demi, là? Ou pour Messenger? Ouais, Messenger, ouais, parce que j'allais dire Hollow Knight, je pense que c'est plus que ça, quoi. C'est Hollow Knight, j'avais halluciné quand j'ai fini le jeu. Ah, il manque 4 pièces, hein. À la douche. Non, je rigole. Dommage. Parce que Hollow Knight, en fait, j'avais fini le jeu. Et après, j'ai rejoué pendant genre 2h30 en allant faire que des zones que j'ai jamais faites. J'avais halluciné. C'est bientôt l'heure du happy hour. Bravo, Rugnar, quelle découverte! Je me demande ce qui a bien pu pousser les nains à condamner cette partie de la mine. Je fais un petit tour pour allumer les bougies un peu partout. Attention au coup de grisou! Avertissement, l'ascenseur est réparé, mais il est désormais interdit aux trolls. La direction. Oh, espérons qu'aucun troll n'ait emporté l'ascenseur. Le Night Center, mais sans les DLC, pas d'accord. Hein. 90 heures pour tout cramer, dans les dizaines sur le point de tirer. Ouais. Yes, friends. Oh.
Non, le knight était vraiment incroyable. Mais quel con. J'ai vraiment fait ça. Les grilles, lisez les pièces. Je suis un vrai aruspice des coffres à trésors. On m'a menti, on m'a dit que ça a été réparé. Purée. Oh non, mais pas deux fois. Je suis pas une grillade. Ok. Ça sent le truc où je vais faire de la merde. Oh, les doigts dans le pif. Ah, tant pis, j'ai pas toutes les pièces, mais... La couleur, c'est esthétique, exactement. Le temps, c'est juste pour l'extension. La vie, quel jeu, Pagno, Complétionniste, 261 heures, c'est bon, tu peux le faire à la place d'être frais. 261 heures, peut-être Isaac, peut-être. Un vieux beau butin, Rugnar. En même temps, à quoi s'attendre dans une mine? Pas des pièces, en tout cas. On dirait que quelqu'un a parcouru toute la mine avec un sac de pièces trouées. En plus, c'est bizarre comme elle flotte en l'air, là. J'ai observé, Rugnar. Il commence à se douter de quelque chose. Ça ne posera pas de problème si tu parviens à l'arrêter. Va te préparer. Non, ça va, ça va. Bon, c'est parti. À moi la fortune. Emplacement piège numéro 63. Ah, quelqu'un ici n'a pas fini le travail. Tant mieux pour moi. Ah, c'est pour Monster Hunter. Whiteburn. 464 pour... Ah, je pense que c'est que pour l'extension, on a bien. Mais après, c'est pourquoi c'est pour le... Ouais, Completionist, donc c'est pourquoi pour toutes les armes, tous les... Toutes les armures... En tout cas, c'est vraiment plaisir d'avoir un autre décor là. J'espère qu'on aura le droit à notre petite course de chariot dans la mine quand même. Sinon, je serais très triste.
Monster Hunter, je le ferai quand je serai au chômage. J'aurais du temps à perdre. J'aurais plein de temps pour streamer. Attention au coup de grisou. Bon, je devrais peut-être éviter d'approcher une flamme à proximité. Oh non! Si les collègues me voyaient, cool. Ils seraient verts comme des gobelins. Merci pour ce niveau avec un petit wagonnet. Bon, en vrai, c'est plus long que ça. C'est pour choper les petites et grandes couronnes d'or. T'as 1% de chance, ouais, d'accord. Ouais. À 13, 15 ans à peu près, ouais. Oh, ça sent l'or par ici. Oh merde, il y avait un truc en haut. Ah mais je... Bon Cyril, du coup, prochain jeu, tu fais quoi? Tu fais un jeu de course de chariot dans une mine? Moi ça me va ça. Et super la barbe rose. Ah mais c'était délire, tu t'es embêté à faire un repère de différentes... Tu t'es embêté à faire plusieurs repères quoi? Hein quoi? Oui, mais c'est en fait. Je vais faire un mode Infinite Runner. En blanc, il est sympa aussi. Ouais, c'est 10 premiers niveaux, ok, donc là je suis niveau. Tu prends pas la verte? Eh bien non, monsieur. Oh, j'ai un sac, des bougies et une moustache. Tout l'attirail du parfait pillard. En avant! C'est moi ou c'est un peu la fête de... C'est un petit peu le 14 juillet quand même. Ce piège n'est pas assez efficace, merci de le rendre plus dangereux. Non merci, ça ira. Exit pour... Ah, on peut les éteindre, tant mieux.
Mais en tout cas, avec Sid, c'est vraiment cool, hier. J'ai bien aimé. Moi, je suis encore épaté qu'il y a un mec qui est quand même pas pour corriger la catégorie, mais... En vrai, je pense qu'il n'y avait pas absolument aucune chance qu'il ait eu ma... qu'il ait vu un tweet, un truc comme ça, de ma chaîne, quoi. Ça veut quand même dire qu'il y a un mec qui regarde comme ça un peu tous les jours, si jamais il y a quelqu'un qui joue ce avec matin, ses... je t'attends un rideau le goin avec ta soeur et les Chacrou. enfants. Je t'ai fait des sandwichs à la morve pourrie, tes préférés. Bisous, ta rougnouf poilue. Oh. On dirait que l'épuisement de la mine a impacté plus que les nains de Murlodar. Et puis vraiment, ce truc-là, c'est Exit, quoi, donc c'est pas le genre de jeu. Ami, tu pars sur du cave, tu te dis, bon, il y a des gens qui ont y joué, comme là. J'étais pas mort, j'aurais pu valider ça. Parbe, parbe, un nain qui a peur du noir. On n'a jamais vu ça. Oh l'avant. Ah, je l'ai senti passer. Mais c'est pas vrai. Cette faveur. Un type au jeu général. Ouais. Après, là où je peux pas donner tort au mec, c'est qu'effectivement, ça m'a coupé une moustache. Les deux jeux sont vraiment très très différents, quoi. Oh non, mais non. Oh, ça c'est moche par contre.
C'est un confectus non réficiat. Si ce n'est pas brisé, ne le répare pas. Bah, de toute façon, je suis pas venu pour bosser, moi. En tout cas, je trouve ça cool, la présence du Nord, elle est beaucoup mieux que cette première version que j'ai pu que j'avais eu l'occasion de tester. Le Nord, il est bien plus valace. Vraie bête de course. Non, blague à part, il est beaucoup plus... Ouais, je... Voilà, ça me semblait que il n'y a pas de... Ouais, non, vraiment, là, il est bien plus plaisant à contrôler. Hein. Je sens que la première version, il était un petit peu... Il était un peu raide. Hein. J'ai raté des pièces, mais tant pis. J'ai raté beaucoup. J'ai raté deux, en fait. J'ai raté la corne de... Piscine remplie de bière. Ou de Saint-Doux. Non, de bière. Quand je serai riche, je me ferai fabriquer un casque en mitril brodé d'adamantium. Saut dans le trou, c'est un raccourci. Il y en a vraiment qui vont croire ça. Ah, j'y crois. Oh non. Il y a arnaque, là. Cyril, il y a arnaque. Mais après, c'est pas impossible qu'il y ait un truc caché si t'en vois plein. Bien. J'y crois. Comment dire? Mais c'est vrai, je peux pas faire le test parce que j'ai plus de bougies. Essaye de les récupérer, mais je vais crever. On est d'accord qu'il veut me tuer Peut-être trop tard, on peut-être... Ah non. Du coup, c'est un vrai raccourci. Oh, bonjour, mon ami. J'ai une petite surprise pour toi. Je pense que ça devrait te plaire. Ah oh non, 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 mais tu sais où tu peux te la mettre, ta pioche? Dans le placard à balai, parfaitement, parce que j'y toucherai pas. Oh, c'est bien dommage. Il y a des gisements un peu plus loin. Oh, bon, commence par ça, alors. Tu en auras besoin pour avancer. Comment ça? Cool. Tu verras bien. Tiens, je peux une coup de pioche.
Ah ouais, il faut ça. J'ai reposé, migraine, ah merde. Ok, ça roule, les bios sont derrière. Bonne nuit à toi. Encore deux là, mec. Ah, ça sent le niveau où j'ai cuiné. Vieil homme m'a dit, ne fais confiance à personne, j'aurais dû l'écouter. F. Mulder. Il parle du vieux barbu. Aucune idée. La vérité est ailleurs. Ah, il a ce raccourci, je savais pas, non. Donc c'est là qu'il m'a chié, ma pied. Chaussette du rondil, parce que la vie ne tient qu'à un fil. Ah, bah ça pourrait me servir, ça. Ah mais c'est ouvert là-haut. Pardon.
Ok, donc il ne reste plus qu'un truc à trouver. Il manque vraiment deux. Sinon. Du coup, il manque deux pièces, c'est con. L'or, c'est bien moins lourd quand c'est le mien. D'après le vieux dicton, plus on est de fou, plus on peut se planquer derrière. Hein, ouais. Mais moi, je suis tout seul. Dommage, j'ai un coffre. Ouais, le dior, ça sent le niveau avec le lave qui monte. Ça. Ah putain, mais j'ai une... Ouais, c'est le studio qu'il faut jouer. J'accepte de faire tomber la clé et que je réaccède. Je t'avoue que je sais pas trop quoi penser de la mécanique. T'es obligé à... ne plus avoir de bougies pour invoquer le petit esprit en fait. Merde. Sont rouges, les saphirs sont bleus, la bière est douce et ta barbe aussi. Gros 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 grognon. Pas mal, mais ça manque d'or. Ah, il y a une amélioration, d'accord, ok.
percer à gauche, revenir à droite, on sait pas. Ouais, si, ça, je sais que c'est ça. Et tu vois, typiquement, je me rappelais plus trop où j'en étais donc. Une moustache. Ah, désolé. Ça repousse. C'est ta faute, t'es capable de faire des jeux où on meurt. Ouais, bah, attends, il veut mieux que je fasse ça parce que t'es bourré. Plaidoyer pour la pizza à la 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 par Mister Helmut. Et pourquoi pas avec des concombres et fruits. Ah, j'aime beaucoup ça. Avec le petit tacle sur le concombre. J'ai parfait. Parfait. Jusque dans mes chaussettes, personne n'osera venir me le voler là. Nom d'un champignon cavernicole. C'est H coupe si je me rappelle la première fois. J'ai voulu éplucher une patate.
réussi à me bloquer là. C'est moche. Je suis bloqué. Je vais pas le faire le décaler pour le faire tomber. Et puis il y a vraiment rien à faire. Hein. Quand je suis riche, j'ouvrirai ma propre taverne. Ouais, j'ai toujours rêvé d'être aubergiste. C'est vraiment rare que je trouve des bugs en fait. J'ai tendance à être beaucoup trop gentil pour trouver des bugs. Il y a une porte au-dessus. Non, on la voit. La voit par transparence. Excellent. Ah, mais ça se colle. Magie domestique, les erreurs à éviter. J'ai voulu enchanter le balai pour qu'il chasse les saletés tout seul, il m'a aussitôt attaqué. Ouh, je le prendrai mal à sa place. Hygiène élémentaire. Le livre est scellé par des chaînes. Hygiène élémentaire. Le livre est scellé par des chaînes et un cadenas. Bah, il renferme probablement une force puissante. Ah si, c'est Cyril.
Voilà, je vois pas. Rien qui ressemble à un... Est-ce que c'est par rapport au... Par rapport au miroir Ah, on va peut-être arnaquer en mettant un sur deux, c'est ça? Ouais, je suis pas très convaincu. Oh, de la dynamite. De quoi faire péter des choses. J'en prends un bâton. Elle m'a pas l'air très puissante. Oh, j'ai pillé la zone. La barbe la plus aérodynamique du souterrain. Quand j'étais petit, je suis tombé à l'eau. J'en tremble encore. Oh, c'est mon pire souvenir. Oh, j'ai pas perdu la main, moi. Vous êtes là-bas, c'est ça? Fait. Bienvenue dans mon antre, petit voleur de pièces. Hein? Qui me parle? La taille, c'est relatif, hein. Il a qui, bah, t'as combien, le jeu? Pour moi. Compris. Nom d'une binocle. Oui, les classes, le boss. Cette machine est entièrement conçue pour te reprendre tout l'or que tu as volé. Elle utilise une arme horrible, pire que la lave ou l'acide. Très scrandi, d'accord. L'eau. Oh, un troll intelligent. J'ignorais que ça existait. Ta cruauté n'a donc aucune limite. Aucune. Il reste pas une petite pièce là. Eh ben non. Hmm.
Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est bien qu'on peut ouvrir sans mettre les balles. C'est moi qui suis débile ou les gens qui ont testé ils comprenaient pas non plus. Là je. Écoute, je veux bien que tu me dises ce qu'il faut faire, si j'en ai aucune idée. Hein. Faut allumer les trucs. Je vais voir, faut que je me fasse toucher pour que ça tombe dans les... Ça tombe dans les paniers. Bah, le mec me dit ce qu'il faut faire, c'est honnêtement, j'en ai aucune idée. Ah, j'ai rempli, attends, j'ai rempli quelques trucs. Mais il me vise pas, quoi. Bah, j'ai essayé d'allumer, ça marchait pas. Apparemment elle est passée à travers. Hein. Ah là, ça fait pousser.
Même les vannes, je trouve qu'on a du mal à voir quelle vanne c'est quoi. J'avais même pas à voir comment faire sortir la fumée là où je vais en fait. Fini de rigoler, renvoie-la. Non, je suis mouillé. Ça suffit. Rugnar, tu pourrais faire un effort. Quoi? Marchand, aide-moi, regarde. Je suis tout humide, je découline. Vous vous connaissez. Écoute, je ne voulais pas en arriver là, mais puisque tu es inarrêtable, je suis obligé de t'expliquer la situation. Figure-toi que les monstres, les maîtres de donjons, les sorciers et les dragons maléfiques ont tous été obligés de faire face à la fermeture de la mine, comme toi. Toute la vallée reposait sur cette mine. Il n'y a plus un seul aventurier pour s'aventurer dans la tour Bilibine. Plus personne ne traverse les ponts aux trolls. Et je ne te parle même pas de la fermeture des tavernes. J'ai été engagé pour aider à concevoir des donjons plus attirants. Tu étais là pour tester les pièges et les secrets, avant qu'on commence à passer des annonces pour recruter des orques et des squelettes. Mais il me semble qu'il va falloir encorser drastiquement la difficulté. Tu as bien mérité la moitié de la somme que tu as récoltée. Encore? Mais c'est mon... Je garde tout. Ciao, les caves. Poursuivez-le. Moi, je suis mouillé. Ça, tu es responsable de mon or, marchand. Oh, il faut tout faire soi-même, ici. Reviens, Rugnar. Non, j'ai trouvé. Je le garde. Tu t'en tireras pas comme ça. C'est possible par le marchand, après. Je me tire, et les poches pleines. Je ne peux pas te laisser partir avec notre or. Oh, mais je vais pas te laisser le choix. Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cet or?
Je vais m'acheter une taverne. Et puis j'ai d'autres idées. Comme me transformer l'or en liquide, j'imagine. J'ai bien mérité un peu de repos après tout ce bazar. Trois fois rien. Pas pour moi. Je compte bien dépenser mon or. Pour ça, il faudrait déjà que tu sortes d'ici. Et maintenant, Rocher, j'espère que tu auras pas de serpent. Salut, et encore merci pour l'or. Je reviendrai. Je me suis bien amusé. Et en plus, j'ai les poches pleines. Hey, c'est moi, Ragnar. Y'a quelqu'un? Allez, ouvrez-moi, j'ai une petite surprise. Il doit bien rester quelqu'un, non? Je veux acheter la taverne. Voilà déjà un an que Ragnar nous a mis sur la paille. Il nous a filé entre les doigts et nous a dérobé notre or. Il est retourné chez lui, à Murlodar, pour reprendre la taverne. Oh, les filons sont épuisés, oui, mais la cité est de nouveau vivante. Je ne sais pas si c'est la qualité de sa bière ou le récit de ses aventures, mais les clients sont nombreux. Pour nous, cela a été une période délicate. Oui, sans or, il a été difficile d'améliorer les pièges et impossible d'engager du personnel. Mais entre l'économie qui s'est relancée et le bouche à oreille, les choses vont pour le mieux. Les candidats sont nombreux à venir et les droits d'entrée couvrent nos dépenses. Ragnar avait raison finalement. Dépenser son or à la taverne a profité à tout le monde et rendu à la vallée son attrait d'antan. Encore une bonne soirée, mais il faudra que je pense à engager des musiciens pour l'ambiance. Ah, et agrandir la salle. Oh, et creuser une cheminée dans le coin. Je pourrais accueillir plus de clients comme ça. Ouais, mais ça coûte cher tout ça. Et j'ai pas ce qu'il faut. Mais je sais où trouver de l'or. Hé, les mecs, c'est moi! Oh non, pas lui! Et si? Bah, c'était sympa. Sympa. J'ai trouvé un miroir en bon état pour te peigner la moustache. Par contre, il est peut-être un peu magique. Ça devrait le ralentir un peu. Alors, qu'est-ce que c'est un bon mec? Bah donc voilà, donc là je vais pouvoir acheter de l'équipement. Hop, un niveau... Trois, c'est peut-être pas mal. Quoi. Je peux les pièces en jetant les pièces d'or dessus. Les pièces d'or en jetant le. Et là, on peut avoir un Fluffy qui ramasse. Hein. Fluffy toujours présent, ce qu'il disait tout à l'heure là. Allez, comme ça.
Et je prends une fourrure. Oh, j'ai plus assez de... Ouais, 600. Ok. Et bah du coup, on va faire donjon à la tour. Cette Poche. Porte restera fermée tant que tu ne seras pas venu à bout du donjon aléatoire. Bon, et bah c'est ce qu'il me reste à faire. Bien, pas un verre. Alors, donjon aléatoire. Passe la porte de ce donjon sur 16 différentes, reçu trésor, ça me. Hein? Les clés vont être. Ah, c'est cool, il y a un système de seed. Tout est un piège. C'est pourquoi je suis encore en vie. Abusons-nous à démonter cet endroit. Donc du coup, ouais, donc là, c'est la génération procédurale, par contre. Il nous faut une pièce. Une... La clé manquante, à moi la fortune. Sport, glissade de nain, riche sur pièces d'or. Ouais, y'a quelqu'un? Oh, pas un orc, même pas un gobelin. C'est que ça doit être drôlement dangereux. Et du coup, j'ai débloqué les... débloqué la carte, alors... Les pièces en haut... Si je prends les pièces qui traînent par ici, personne ne verra la différence. Donc ouais, si j'en reste le gros tas de pièces, c'est la fin du niveau. Et le gros tas de pièces, il est loin. J'avais une clé. Ah, il me faut deux clés. Ok. Cette dernière clé va me rendre riche.
Oui. Non. Ça peut sonner, là. Enfin, la dernière clé. Il manque deux pièces. Ouais, donjon aléatoire, ok, d'accord, donjon aléatoire, c'est dans le biome donjon, et château aléatoire, c'est dans le biome château, quoi. Ok. Sorte de... Ah non, attends, il y a un truc. Ah non. Ok, donc là, c'est un par un. Mais l'autre, il y a 10 étages, c'est ça le délire? Seule vie. Ah ouais, d'accord. Ouais, dans le château, c'est différent. Ah, c'est le mode roguelite, en fait, d'accord. Ok, ah, c'est cool, ça. Ok, donc ouais, c'est juste là, c'est juste un donjon. Et par contre, l'autre, c'est le mode roguelite où t'as 10 niveaux à traverser, une seule vie... Alors sachant qu'on a qu'une seule vie, mais on peut creuser un petit peu parce que avec les grimoires il y a moins d'avoir, enfin avec les équipements il y a moins d'avoir une vie en plus par niveau. Ah là c'est pas mal, là c'est pas mal aussi de tout sur la carte. C'est cool tout ça. Petit côté ferme rigolo. Et quelle heure? Il est minuit 20, bah je vais faire juste un petit mode... La nuit m'arrive de rêver que je tiens encore ma pioche. Oh, quel bonheur d'avoir les mains libres. Oh, de toute façon, moi je préfère les rubis. Une mort certaine, une faible chance de succès, mais quatre... Ah, mais si je suis retenté, c'est la même... Merde, c'est la même cible. Avec tous ces exercices, je vais bientôt pouvoir me toucher les orteils sans plier les genoux. Si les collègues me voyaient, ils seraient verts. C'est pas ce qui est pire, la lave ou l'eau. Pourquoi ne fait-on pas des bassins de bière? Alors, on fait fortune? Chez dans le château. Ouais, marrant. Ouais, c'est vraiment cool, j'entendais pas du tout ce qu'est ce mode de jeu. J'ai toutes les clés. Où est ce trésor? Qui m'aide quand je suis riche, je mangeais du steak de broutard au baveux. Matin, midi, soir. Cascade de 2 heures et de 4 heures. Mais sans baveux. Ah, les baveux, c'est merde. Ouais, après, d'être seul. Donc. Ça y est, je peux ouvrir le trésor. D'être seul, c'est pas un, quoi.
Ah, mais franchement, c'est bien cool qu'il y ait un mode comme ça. Après, il y a aussi des. Gamer faire 100%, rien faire 100% sur. Sur le jeu de base, je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Et bah, tous les temps. Tous les temps, trouver toutes les pièces. Maintenant, une petite. Oh, on est toujours mieux ici qu'à la mine. Alors, le même miroir, fait fortune. Ah, qu'est-ce que tu veux ? On monte les trésors sur la carte. J'ai pas fait gaffe au mode miroir, c'est ça qui me fie un miroir marchand. J'aime pas penser à aller le voir. J'ai chopé la dernière clé. Il était le truc. Ouais, tu as les pièces que j'ai pas. Ouais. Avec ça, je vais pouvoir me faire une piscine remplie de bière où personne ne touche à ma barbe. J'allais dire, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais mourir dans pas longtemps, bêtement. Oh bah, j'ai mangé des œufs pas frais, c'est pour ça. Voilà. J'avais dit. Des jeux d'avance. Alors, qu'est-ce que ça me propose, mec? Cité de Lourdes est déjà mise en transition. Et
oh, y a quelqu'un ? Oh, timide le taulier. Profitons-en. Ok. Donc le mode miroir, comme son nom l'indique... Ce chandelier fait office d'hôtel dans certains cultes. J'ai lu qu'on pouvait remonter le temps jusqu'au moment où on allume une de ces bougies. Ah, si ça marche, ça pourrait m'éviter de sacrer pépins. Il y a trois branches, donc trois sauvegardes possibles par hôtel. Attention à les utiliser avec parcimonie. Quelqu'un a fait une pause et a tout laissé en plan. Oh zut. Par contre, j'ai le double... Magnifique. Avec ça, je peux voir des pièces cachées dans l'obscurité. Je suis riche. Enfin, une fois que je l'ai... Oh, je me sens léger. La plume me passe et toutes les pièces dans mes poches. Une lanterne. Oh, je peux tout voir. Comme cela, c'est bien moins lourd quand c'est le mien. Ah non. 55 de 100, fait que tu as 55. Zut. Riche pour donner à moi qui suis pauvre, c'est moral. On est mort. Ah, excellent. C'est excellent. En plus, j'ai le vinyle qui là, il m'a envoyé, ils ont été trop cool. Oui, si, je reconnais, c'est Double Kiki Rose. Oh, ce sac est si léger que je pourrais m'envoler. Ah, il faut plus de pièces pour le remplir. Ce chandelier fait office d'hôtel dans certains cultes. Ah, j'ai lu qu'on pouvait remonter le temps jusqu'au moment où on allume une de ces bougies. Ah, si ça marche, ça pourrait m'éviter de sacrés pépins. Comme le décès, par exemple. Ne traînons pas, c'est bientôt l'heure du happy hour. C'est ça quoi, j'ai vu qu'il y a Guillaume qui est bossé pour Pixel Art. Ce chandelier fait office d'hôtel dans certains cultes. Ah, j'ai lu qu'on pouvait remonter le temps jusqu'au moment où on allume une de ces bougies. Ah, il y a trois branches, dont trois sauvegardes possibles par hôtel. Attention à les utiliser avec parcimonie. Quelqu'un a fait une pause et a tout laissé en plan. Oh zut, magnifique! Avec ça, je peux voir des pièces cachées dans l'obscurité. Comme sans léger. Bien, j'ai tout ramassé. Une lanterne. Oh, je peux tout voir. Comme... Oh, j'ai de l'or jusque dans mes chaussettes. Personne n'osera venir me le voler, là. Ah, y a pas de bière. Okay, y a pas de bière dorée là. La bière dorée c'est que pour les niveaux, c'est pas pour les. Ah, bah, pour... Bon, et bah écoutez, c'était bien sympa en tout cas. Je vais m'arrêter là, c'est déjà minuit et demi. Je pense que je vais aller au lit. Mais, cool en tout cas. J'étais vraiment content de rejouer au jeu. C'est sympa le fait qu'il y ait mis des modes en plus là avec la génération procédurale. Au moins, ça permet de continuer à jouer une fois qu'on a fini le jeu. Et, même si on n'a pas envie de faire les trucs à 100%, au moins tu peux continuer à jouer et monter un peu ton perso. C'est sympa. C'est sympa. Surtout que les objectifs, ouais, une minute, etc. Ouais, c'est... Ouais, faut aller vite quand même. Faut aller vite. Tu peux le faire en plusieurs fois ou pas? Ou faut vraiment, pour le truc doré, il faut que tu fasses tout. Là, si je fais moins de une minute, j'ai la bière dorée ou pas? Après, faire pas d'accident, etc. Tout faire une fois, d'accord, ouais. Ouais, donc effectivement, ouais. Ça va être du 100%, ça augmente la durée de vie, quoi. Faut quand même bien connaître le niveau, quoi. Mais ouais, en tout cas, je trouvais...
Bah déjà, graphiquement, il y a eu un gros level up hein, depuis la dernière fois. En termes de gameplay, en termes de maniement du personnage, pareil, c'est beaucoup bon. Il est largement plus plaisant, ce que je disais tout à l'heure là. Le nain à contrôler, c'est vachement mieux maintenant. Quelques petites interactions, j'aime bien les petits feux follets là qui t'aident pour pour activer les mécanismes. Et non, vraiment, bah bien quoi. Bravo à toi, quoi, parce que bah déjà rien que pour terminer un jeu, c'est rien que ça déjà c'est un succès quoi. D'aller jusqu'au bout d'un projet comme ça, surtout sur autant d'années, c'est assez incroyable, quoi. En tout cas, bah, j'espère pour toi qu'il y aura, il y aura un peu de vente derrière, quoi. J'espère que ça se passera bien la sortie. Puis voilà. Bon, et ben bah, allez, du coup, moi sur ce, moi je vais couper la maman par contre. Bah, des bisous tout le monde, passez une bonne nuit. Demain soir, je ferai des pinball FX 3 parce que bah, s'il faut que je continue la ligue, j'ai pas eu tout joué sur l'état de la semaine, donc voilà. Jeudi soir, du Deep Rock. Jeudi, temps de midi, je vais peut-être jouer un jeu de voiture, c'est Neodori Forever. À voir où je vais courir, je sais pas encore. Vendredi soir, Trackmania RPG. Et samedi soir, j'ai rien prévu parce que je sais pas si j'étais à la maison, quoi. Allez, des bisous, bonne nuit!